poisson. C'est tout petit. Un petit bar. Hop, à peine piqué. Voilà, tout petit bar. On dirait à la limite une petite perche. Voilà, on va le remettre à l'eau. Il est reparti, super. Ah, poisson. Oh, l'heure de surface en plus. J'ai même pas vu l'attaque, en fait il l'a pris à la tombée. Et c'est pas mal hein. Je tire là-haut parce qu'il y a un rocher devant, j'aimerais pas qu'il se foute en dessous. Bah ouais. Et dès que je suis passé l'animation canne haute, il a attaqué. Parce que canne haute, ça fait plus d'éclaboussures. Poisson. Oh, ça commence premier lancer les gars. Ah, ça commence super bien. Ah oui, ça c'est cool ça, les sessions comme ça, premier lancer un poisson. Y a rien de mieux. Et ça a l'air d'être pas mal en plus. Ou soit il est juste énervé. Non, je crois qu'il est surtout énervé. Oh, ça suit, il y a plein de petits qui suivaient. Voilà, à peine piqué. Petit bar au premier lancer, voilà, il y avait plein de monde qui suivait. Voilà, je suis content, on va le remettre à l'eau. C'est parti. Voilà. Poisson. Ouais, ouais, je l'ai toujours, ouais. Bon, les gars, ça fait deux lancers que j'y arrive, ça fait deux poissons. Oh, le Black Minnow est en train de se faire éclater. Bon, là, c'est un peu plus petit, par contre. C'est même tout petit. Tu peux te décrocher maintenant? Non. Doucement, il va me planter l'hameçon, le petit. Ah là là, ils sont nerveux, ici. Voilà, il était même pas piqué. Voilà, petit bar, hop. Bon, si je vois que ça continue comme ça, je vais mettre un 120. Parce que là, j'arrive, deux premiers lancers, deux poissons. Alors là... Putain, je vois les barres, il n'a jamais pied, quoi. C'est hallucinant. Poisson. Ah là c'est déjà un peu plus intéressant peut-être. Bon bah les gars, 3 lancers, 3 poissons, la meilleure moyenne. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a tous les bars. Il y a tous les bars derrière lui quoi. C'est hallucinant. Il y a tout le banc derrière lui. Ils sont au moins une vingtaine. Non même plus, ils sont au moins une trentaine derrière. Je sais pas si vous voyez. C'est hallucinant. En fait, il y a le banc à mes pieds.
un petit bar. Sympathique, ça fait les 25. Mince. Bon, c'est bon, il est reparti. Poisson. Bon les gars, 4 lancers, 4 poissons, c'est totalement extraordinaire. Voilà, je vais mettre un 120 parce que là, sinon après, les petits, ça va les embêter. Je vais mettre un 120, ça va être mieux. Bon, on va mettre un 120 parce que là, je préfère laisser tranquille les plus petits et puis sélectionner les plus gros. Putain, il y a un bar qui vient me voir à mes pieds. Ah, lui, il est plus gros, lui. Faut que j'arrive à lui passer le leurre devant. Ah, il est beaucoup plus gros, lui. Ah, j'ai pris une tape. Poisson. Ah, c'est toujours de la même taille. Putain, il y a 50 000 barres devant moi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je pense pas, parce que moi, j'ai les polarisantes. Allez, hop. Hop. C'est parti avec le pachinko. Et ce matin, ils ont pas l'air décidés à prendre en surface. Allez, c'est parti. Là, le Zarapupispou qu'on va oublier, parce que l'heure silencieux pour ce genre de situation, c'est pas ce qu'il faut. Ah, il a été pris dans l'épuisette, le pachinko, mince. Voilà, c'est bon. Voilà, le super spook maintenant. J'ai toujours pas fait de poisson avec, mais je sens que ça va être aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Parce qu'avec sa bille grave au milieu là, je sens qu'il va faire décider du poisson. Allez. En plus, il s'anime super bien. La sonorité est largement plus grave. Oh là, quel nage, le super spook. C'est un des meilleurs leurres pour les débutants. Parce qu'il nage, pour apprendre la nage, du moins. C'est un super leurre. On va voir s'il est efficace aujourd'hui. Ah bah ça suit déjà dès le premier lancer. Et poisson. Ah voilà, super spook. Oh là là, j'étais en train de vous parler du super spook. Et voilà, on a la démonstration parfaite. Je l'utilise pas souvent le super spook, hein, mais voilà, premier lancer. Le pachinko ne faisait pas assez de bruit. On est passé sur du super spook. Et ça a tout de suite changé la donne. Voilà. Un tout petit bar. Bien sûr, remis à l'eau. Magnifique. Ah, poisson. Yes, en surface au pachinko. Le pachinko. J'ai même pas vu l'attaque. J'ai regardé un autre endroit. Bon, ça a pas traîné, hein, la vache. Un petit bar. Voilà. Un petit bar au leurre de surface, pachinko. C'est dingue la patate qu'ils ont. Ils repartent vraiment à toute vitesse. Ah, poisson. Yes. Ah, c'est bon ça. Il y a toute la famille qui suit derrière. Bon, c'est petit, mais franchement, pour une première hauleur de surface, je suis plus que satisfait. Que je m'attendais à pas non plus faire des gros, vous voyez, c'est minuscule. Enfin, je vais te remettre à l'eau rapidement. Voilà, voilà, vraiment du tout petit bar. N'hésite surtout pas à attaquer, franchement. Là, c'est
C'est ça en fait les carnassiers, hein. C'est, ça attaque plus gros que soi quasiment. J'essaierai peut-être tout à l'heure. Pour l'instant le pachinko fonctionne. On va laisser tranquille. Attaque, poisson. Ah ça a l'air plus joli. Yes, c'est plus joli ça. C'est, enfin c'est plus joli. Ça fait 30 cm quoi. On va peut-être un peu moins. Ah mince, il a été vraiment piqué sur le côté par contre. Non. Ah j'ai cru que j'en avais piqué deux, j'ai eu peur. Ah le pauvre. Il est plus petit. Ah. Doucement gamin, tu vas te faire mal. Enfin bon ça va. Voilà. Oh poisson. Oh là là, ça c'est plus gros ça. Oh là, c'est pas mal hein. Ah oui 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 oui. La grosse attaque, je sais pas si vous avez vu le splash de malade. Oh là on a plus gros là. Ah ça fait plaisir, roller de surface toujours. Ah oui, là on a plus gros. Ah oui oui, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est plus que correct même hein. Waouh, c'est peut-être maillé. Hein. Ah oui d'accord, il a mis tout le monde d'accord avec son attaque. Waouh. Ah oui d'accord. Il est. Ouais il fait. Il doit faire les 40 hein, au moins. Voire même plus. On va aller chercher. Waouh. Ah faut pas que je le décroche celui-là. Il est vraiment beau. Oh c'est peut-être mon nouveau record, il est énorme. Oh là là, il est gigantesque. Te décroche pas s'il te plaît. Ah, je suis en train de mettre les pieds dans l'eau. Ah non, te décroche pas, c'est pas le moment. Les gigantesques. Yes! Alors ça, les gars, ça, c'est du beau poisson. Ça, c'est du beau poisson, ça. Au leur de surface, ça, c'est du beau. On va ouvrir le pick-up. Ah, ça, c'est vraiment du beau poisson. Hop, on va virer le leurre. Waouh. Regardez-moi ça, les gars. Oh, ça fait les 50. Attendez. Ça fait au moins les 50, hein, je pense. Hein. Regardez-moi ce monstre. On va le mesurer, mais il n'est pas loin de mon nouveau record. Et les gars, il fait pile la taille de mon record. Il fait 48 cm, ça mérite une photo. Regardez-moi, il est beau, hein. Beau poisson, hein, franchement. 48 cm. Alors, on va le remettre à l'eau. Regardez-moi ce monstre. Cette gueule d'enfer. Voilà, bon, on va pas traîner. Tant pis si je mets les pieds dans l'eau. On va descendre. Il n'y a pas trop d'endroit pour le remettre. Voilà. Hop, il est là. Oh, il est reparti aussitôt. Hein. Même pas le temps de le voir. Super, les gars. Je suis super content. Ah, là, on le voit. Non, là, je pense que vous le voyez pas, mais. Il repart tranquillement. Oh là là, c'était super. Super, franchement, les gars. Waouh, 48 cm. Attention, avec bien sûr le pachinko 100, voilà. C'est un beau bestiau, 48 cm, j'en suis très content. Ça fait toujours pas les 50, mais je sens que le 50, vu les barres que j'arrive à sortir en ce moment, le 50 va bientôt arriver, j'espère. Voilà, en plus au stick bait, l'attaque de malade mental, franchement. J'espère que vous avez vu sur la vidéo, ça fait un gros splash. Voilà, super content.